Comment dit-on déjà en anglais? How to say déjà in English? Well, in this English lesson, we're going to go over four different ways of saying déjà in English. Probably you're asking why French has only one word to say déjà, and in English we have four different ways to say this single word déjà. Well, let's see with me how or different ways to use déjà in English, how to say déjà in English in different ways, okay? So before going any further, I'm gonna ask you a little favor, right? If you can subscribe right now, please do it. While you're doing this, remember to click on the notification bell for not missing any of our videos. I am teacher Candy August, l'école c'est high school si vous voulez prendre un cours d'anglais avec nous. Okay, now let's dive in. Nous avons yet. C'est l'une des façons qu'on peut dire en anglais déjà. C'est une façon nous capable dire déjà en anglais. Yet. Yet. Peut-être ou dis-moi quand utiliser yet, l'aimvlé dit encore, mais dans la vidéo ça, nous pourrons l'accentuer sur l'utilisation de yet as the translation déjà. OK? So let's see. Comment utiliser yet pour dire déjà en anglais? So, on utilise yet dans des phrases question, OK? Pour poser une question. Et surtout, on doit utiliser le present perfect. Present perfect, j'ai une vidéo sur l'utilisation sur le present perfect. Je vous invite à regarder cette vidéo. Present perfect. Le present perfect, ça se fait avec le verbe avoir et le participe passé. Ça va. OK. So, you say present perfect. Et aussi, ça, nous mettez-li, on place yet toujours à la fin de la phrase. You see. So, at the end of the sentence, you place yet. Pour traduire déjà. So, once again, we use yet when we want to ask question. I mean, we have to use the present perfect like for the verb. Okay? So, and we have to place it at the end of the sentence. Pretty good. So, on a as-tu déjà? As-tu déjà? Avez-vous déjà? Comment on dit ça en anglais? Okay, so you say have you plus the past participle plus yet. As-tu déjà? Vous voyez comment on dit as-tu déjà en anglais? As-tu déjà ou bien avez-vous déjà? Vous voyez tu et vous? So, nous utilisons un grain mot pour traduire tu et vous. On utilise un mot, c'est bien you. You see, sometimes in spoken English, if we want to make the difference between tu et vous, on peut utiliser like you guys pour dire vous, like spoken English. Et tu, you say you simply you. Sometimes I said. Okay, avez-vous? As-tu? Avez-vous déjà? As-tu déjà? Avez-vous déjà? Have you plus past participle plus yet? Have you? For example, we have eat. Okay, voyons ici, nous avons eat. Eat, ok, dans tableau verbe irrégulier, on a gagné eat, ate, eaten. So, eat, c'est le présent ou l'infinitif sans tout. Et puis, le simple past, c'est ate. Le past participle, c'est eaten. N'oubliez pas, past participle est utilisé souvent avec le verbe avoir en anglais. Have plus past participle. Ok, have past participle. That can also the past perfect like had plus past participle, depending. OK? So, on dit qu'on utilise have, you, plus past participle, parce qu'on a déjà have, OK? C'est as-tu. Vous voyez? Le mot pour a ici, c'est have. Ou bien avez-vous. Have you. Avez-vous. Si, littéralement, c'est avez-vous vu déjà? Avez-vous mangé déjà? Ouais? Avez-vous mangé déjà? Ou as-tu déjà mangé? Vous voyez, c'est comme ça. You say have you plus past participle plus yet. Have you eaten yet? Have you seen it yet? Have you seen it yet? Have you seen it yet? Like, have you seen that yet? I've got... Have you eaten yet? As-tu déjà mangé? Have you eaten yet? Have you eaten yet? Have you eaten yet? Have you eaten yet? Or have you eaten yet? Pretty good. As-tu ou bien avez-vous déjà mangé? Prendre en anglais se dit take.
So, j'ai une vidéo sur les verbes irréguliers, ok, en musique, vous pouvez vous amuser. Ok, je vais vous donner un extrait là. Mm-hmm. Regardez ça. Take two, take in. Shake, shook, shaken. You say speak, spoke, spoken. Then steal, stole, stolen. Freeze, froze, frozen again. Take two, take in. Shake, shook, shaken. Speak, spoke, spoken. Steal, stole, stolen. Freeze, froze, frozen. You say comment les verbes irréguliers en anglais ne sont pas difficiles. En anglais c'est très facile. Once again, you say take two, take in. Shake, shook, shaken. Speak, spoke, spoken. Steal, stole, stolen. Freeze, froze, frozen. Take two, take in. Shake, shoot, shake and speak, spoke, spoken. Steal, stole, stolen. All right, nous avons aussi une autre vidéo de leçon sur le present perfect, for example. It's not difficult. Commençons avec le son A. Prenons l'exemple du verbe acheter. Présent, buy, passé, c'est bought. Participe, passé, bought. Maintenant, répétez. Buy, bought, bought. Acheter, buy, bought, bought. Once more. Buy, bought, bought. Buy, bought, bought. Apporter. Ring, bought, bought. Ring, bought, bought. You say. Ring, bought, bought. Uh-huh. Ring, bought, bought. Attraper. Catch, cut, cut. Catch, cut, cut. You say catch, cut, cut. Come on, catch, cut, cut. On va pratiquer maintenant. On va pratiquer maintenant. Let's go. You say come on. J'achète. You say I buy. J'achète. I buy. J'achète. I buy. Et aussi, nous avons ça. Yeah. I meet, met, met. A beautiful lady, so we sit side side. Then we speak, speak, spoken. I sit, sit, sit. Don't let me go in that. I don't wanna lose luster. So keep, kept, kept you. Even as if slept, I feel felt better. Felt don't hurt, hurt me. I haven't had, had a secret for you. Come on, come, came, come. Take, took, taken. Shake, shook, shaken. Prêtez, lend, lend. Envoyez, send, send. Dépensez, spend, spend. Passé, spend, spend. Billet penché, bend, bend. Parfois on dit bendé. Prêté, lend, lend. Envoyé, send, send. Dépensé, spend, spend. Passé, spend, spend. Billet penché, bend, bend. Parfois on dit bendé. Qu'est-ce qu'on fait ici? On change des hantés. Former le passé avec ces groupes de verbes. On dit lend, lend. Pour une fois, lend, lend. Prêté, lend, lend. Envoyé, send, send. Dépensé, spend, spend. Passé du temps, spend, spend. You say spend, spend, plier, pencher, bend, bend. All right, guys. Très bien. Prendre, take, took, taken. Take, took, taken. As-tu déjà pris ton petit déjeuner? So we say, have you taken your breakfast yet? Have you taken your breakfast yet? Pretty good. Avez-vous ou as-tu déjà rencontré Teacher Candy? So, how do you say this? As-tu ou bien avez-vous déjà rencontré Teacher Candy? N'oubliez pas le mot pour rencontrer, c'est meet. Le passé, c'est met. Past participle, c'est met. Écris en commentaire comment on dit as-tu déjà rencontré Teacher Candy, Professeur Candy? As-tu déjà rencontré Professeur Candy? Écris en commentaire pour moi. Et je vais regarder tous les commentaires et corriger ça. Thank you so much. Ne vous inquiétez pas. Allez-y. Come on. All right. Pretty good. So you say, have you ever plus part... I mean, have you plus past participle. C'est pour dire, as-tu déjà ou bien, avez-vous déjà. So, avez-vous déjà mangé? As-tu déjà mangé? Have you eaten yet? Vous voyez? A-t-il déjà, has he sent... The letter yet? A-t-il déjà envoyé la lettre? OK? A-t-il déjà envoyé la lettre? Has he sent the letter yet? Has he sent the letter yet? Has he sent the letter yet? A-t-il déjà envoyé la lettre? You see? Has he sent the letter yet? Ce que vous devez maîtriser, mesdames, messieurs, dans l'utilisation de déjà, c'est on dit que on a has, la question commence avec... You know, l'auxiliaire avoir, has, c'est parce que c'est la troisième personne du singulier. A, ouais, a, mm-hmm, y a pas de S, c'est a, sans accent, c'est has, ok? N'oubliez pas ça. Has, en anglais traduit a, sans accent, sans S. Ça veut dire a, troisième personne du singulier, qui veut dire en créole, gain, li gain, ok? He has, li gain, she has,
li gagne, it has pour une chose. OK? So, on fait l'inverse parce que là, dans ce sens, cette forme est plus rapprochée du français parce qu'en créole, c'est pas, nous n'avons pas ce genre de forme pour poser les questions. OK? OK. So, you say, has he sent the letter yet? A-t-il déjà envoyé la lettre? Has he sent the letter yet? OK. Le participe passé. Send, sent, sent. Got it. OK. A-t-elle déjà, c'est has she. Remember this. A-t-il déjà, has he, participe passé, yet. A-t-elle déjà, has she, participe passé, yet. OK? Like, a-t-elle déjà vu le film? Has she seen the movie yet? 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 A-t-elle déjà vu le film? All right, guys. Notez bien, dans les phrases négatives, yet veut dire pas encore. Got it? Dans les phrases négatives, so, yet veut dire pas encore. Dans les phrases questions, yet veut dire déjà. Vous voyez le truc là, c'est déjà, question, négation, pas encore. Yet veut dire déjà dans des phrases questions. Yet veut dire encore dans des phrases négatives. Phrase négative, encore. Phrase question, yet, déjà. OK? Yet, déjà. Yet, encore. Phrase négative. So you say, I haven't yet. Pas encore. No, she hasn't yet. Non, elle n'a pas encore. No, she hasn't yet. No, she hasn't yet. No, je n'ai pas encore. No, I haven't yet. No, she hasn't yet. On peut aussi utiliser yet parfois pour traduire however, cependant. N'oubliez pas, however veut dire cependant. OK? However, ou bien but. For example, I love you, yet you could be more helpful. I love you, yet you could be more helpful. Je t'aime, mais tu peux être plus serviable. I love you, yet you could be more, you know, more helpful. OK. Voyons la deuxième façon de dire déjà en anglais. Well, la deuxième façon de dire déjà en anglais, il s'agit bien de already. Already veut dire déjà. Already. OK. Mais comment l'utiliser pour traduire déjà? So, we use already en phrase affirmative. OK. Et aussi, le verbe doit être au present perfect. Present perfect. OK. Good. So, remember, affirmative, present perfect. Lorsqu'il s'agit d'une question, lorsqu'on veut traduire déjà dans une phrase question, on doit utiliser yet. OK. Pour demander est-ce que action a exécuté, est-ce que action a fait, nous utilisons yet. Already, c'est affirmative pour dire déjà. Le present perfect encore. N'oubliez pas present perfect. La formation de present perfect se fait avec verbe avoir, past participle, have plus past participle. OK, so we have here, j'ai déjà. J'ai déjà en anglais, c'est I have already. So, tel qu'il est placé, OK, you say I, j'ai apostrophe, have, c'est le verbe avoir, et already. Say, j'ai déjà, I have already. J'ai déjà mangé, I have already eaten. Mais si c'était une question, as-tu déjà mangé? So, I have to use yet. So, we say, have you eaten yet? Have you eaten yet? As-tu déjà mangé? Have you eaten yet? Yes, I've already eaten. Okay, I'll make something for myself. Have you eaten yet? Perfect. Okay, so, tu as déjà. Okay, tu as déjà. N'oubliez pas, tu, vous, même mot. So, you say you. Tu as déjà, vous avez déjà, you have already. OK, comment tu vas dire, j'ai déjà rencontré Professeur Candy. J'ai déjà rencontré Professeur Candy. Comment vous allez dire ça? Écris en commentaire, comment on dit, j'ai déjà rencontré Professeur Candy. OK, j'ai déjà rencontré Professeur Candy. Pretty good, let's go. So, n'oubliez pas le verbe pour rencontrer, c'est meet. Meet, rencontrer. Le passé simple, c'est met. Le past participle, c'est met avec
le verbe avoir, I have met, j'ai rencontré. Ok, j'ai déjà rencontré Professeur Kendi. Vous allez écrire en commentaire, j'ai déjà rencontré Professeur Kendi. Alright guys, so, voyons maintenant la troisième façon de traduire déjà en anglais. So, on va utiliser le mot ever, ever. You see? Ever. Pretty good. So, comment utiliser ever pour traduire déjà? How to use ever to say déjà in English? Well, so we use this in a question, okay? So, we use it as well with present perfect. On utilise ça avec le present perfect. Et puis, la chose la plus importante, c'est lorsque vous voulez parler d'une expérience. Yon bagay ko fait déjà. Something that you did before. Like an experience, okay? You say, on utilise ça dans des phrases questions. La différence entre ever and yet. Yet, c'est pour poser la question sur la concrétisation de l'action. Est-ce que action est faite déjà? OK? So, nous gagnons ever, les utiliser dans la phrase question, certes, mais les mêmes livres parler de poser question sur expérience. Est-ce qu'on fait expérience ça déjà? C'est ça l'idée. As-tu déjà fait l'expérience? OK. So, as-tu déjà, l'idée c'est l'expérience, on doit utiliser ever. OK? Avez-vous déjà, as-tu déjà, c'est have you ever? Have you ever? Have you ever? As-tu déjà? Avez-vous déjà? Et parfois même, es-tu déjà? Have you ever seen a monster? Have you ever felt hopeless in your life? Have you ever noticed the color of a flea? All right, have you ever played that car game on road trips where as you're driving up to a tunnel, you hold your breath in beforehand? Have you ever changed a title and thumbnail and then the video did better? Oh. Have you ever noticed that people tend to have some really strong feelings? Okay, as-tu... comme expérience, es-tu déjà allé aux États-Unis? Comment vous allez dire es-tu déjà allé aux États-Unis? Écris en commentaire es-tu déjà allé aux États-Unis? Très bien, je vais regarder tous les commentaires et répondre, ok? Let's go. Voilà. A-t-il déjà en anglais, c'est has he ever? Has he ever? Has he ever? C'est a-t-il. A-t-elle, c'est has she ever? Okay. Has she ever? Has she ever? So has she, okay? Has he ever? Plus past participle. Has she ever? Plus past participle, okay? So a-t-il déjà? Has he ever? Has he ever? Has he ever? Has he ever? Has she ever? Has she ever? Has he ever? Has he ever? Has she ever? Has she ever? Plus past participle. A-t-elle déjà vécu à Paris? Okay. So, has she ever lived in Paris? Has she ever lived in Paris? A-t-il déjà vécu à Paris? So, have you ever been to Paris? Es-tu déjà allé à Paris? Have you ever been to Paris? Have you ever been to Paris? Es-tu déjà allé à Paris? Okay. A-t-il déjà vécu en Floride? So, you say, has he ever lived in Florida? Has he ever lived in Florida? Okay. As-tu déjà vécu en Haïti? Est-ce que ou t'es vive en Haïti déjà? Okay. So, yon experience, est-ce que fait experience vive en Haïti déjà? Mm-hmm. Comment tu vas dire ça en commentaire? As-tu déjà vécu en Haïti? Écris en commentaire. Je vais regarder tous les commentaires. Now, let's see the last one, the fourth one for sure, to say déjà en anglais. So, we say again. Again est utilisé dans des phrases questions aussi, mais l'idée, c'est que c'est familier. Mm-hmm. Zami, entre amis, entre et vos collègues, you know, you say. On peut utiliser again. What's your name again? Comment relayer encore? Quel est ton nom déjà? OK. What's your name again? Quel est ton nom déjà? What's your name again? What's your name again? What's your teacher's name again? What's your teacher's name again? Quel est le nom de ton professeur déjà? OK? So, on utilise again dans des phrases familières, des phrases questions. Voilà, mesdames, messieurs, c'était l'utilisation de déjà en anglais. Différentes façons de dire déjà en anglais. Yet, OK? Already, ever, and again. So, n'oubliez pas, on utilise yet dans des phrases questions avec le present perfect. Le verbe doit être au present perfect. Et puis, à la fin de la phrase. À la fin de la phrase. Yes, c'était la traduction de déjà en anglais avec Teacher Kendi Auguste. Je vais vous demander un service encore une fois, mesdames, messieurs.
Ça pas coûter rien si vous cliquez sur le bouton abonnement ou abonner, abonner, et puis cliquez sur notification bouton pour pas perdre qu'une vidéo. Ça fait nous plaisir. Peut-être vidéo ça vient de nous, il prend un petit temps pour nous préparer, li, bien sûr. OK? So, vous encourager nous, abonner, partager l'examen, partager dans le groupe WhatsApp, tout côté nous capables, afin que l'autre monde capable de joindre le son ça pour apprendre tout. OK? C'est gratuit. Ou pas gagner rien, ou payer pour lui, ou juste garder lui. So, thank you so much, guys, for watching this video. Et si vous avez aimé prendre un cours d'anglais présentiel ou bien online, ou capable contacter nous konya la. Nous Cap Haïtien oui 14B Cap Haïtien. So ou même qui nan n'importe côté yé nan mode lan, ou capable prendre un cours anglais avec nous online. Écris nous nan 509 37 90 51 36. 37 90 51 36 ou bien 33 58 34 46. C'est high school. Welcome to our comprehensive English learning program designed to take you from a beginner to an advanced level. With teacher Candy August leading the way and brought to you by iSchool. Bienvenue dans notre programme d'apprentissage de l'anglais conçu pour vous accompagner depuis le niveau débutant jusqu'au niveau avancé sous la guidance experte de l'instructeur renommé teacher Candy et en partenariat avec iSchool. Nous sommes ravis de vous présenter une expérience d'apprentissage enrichissante et immersive. Ce programme se divise en trois niveaux, débutant, intermédiaire et avancé, afin de vous offrir un parcours d'apprentissage progressif et adapté à vos besoins. Pour vous aider à mémoriser efficacement les phrases clés, nous avons intégré une méthode novatrice de répétition rythmique utilisant des versions instrumentales musicales. Préparez-vous à prolonger dans l'anglais d'une manière innovante et captivante, tout en développant vos compétences linguistiques à chaque étape du voyage.